Je vous présente en exclusivité le drapeau de la Pologne. Le rebeu a cramé. Le rebeu est là. On a... D'ailleurs, attends, parce que le drapeau de la Pologne, c'est rouge ou blanc? Bon, bref, Monaco ou la Pologne, tu... Ouais. Salam le monde, ça qui m'a possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Réaction d'un clip, parce que oui, je sais que vous kiffez quand je fais les vidéos réactions par rapport à des clips et tout qui viennent de sortir. Là dernièrement d'ailleurs, je vous remercie hein, pour tous les retours qu'il y a eu sur la vidéo réaction avec Weshden pour le clip Anissa. Et d'ailleurs, en plus, elle a sorti le vrai clip dans la foulée, donc... Ça m'a aidé hein, pour avoir des vues, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous les retours et tout. Et ça fait plaisir. Donc je me suis dit, on va continuer dans la foulée. On va refaire quelques vidéos réactions sur des clips, tout ça. Là aujourd'hui, bon là on est sur une autre planète. Hein. On va aller sur la planète de Jules. Excusez-moi. Le syndrome de Jules de la Tourette. Alors moi, juste avant voilà, de présenter ce clip et ce son, voilà, que j'en ai beaucoup entendu parler, hein, même avant même sa sortie. Moi déjà, je voulais faire un petit mot et dire un petit truc sur Jules et faire peut-être un petit mea culpa. Parce que j'ai été l'un des premiers, voire le premier, à vraiment descendre Jules à l'époque. Vraiment là, je parle, mais c'était à l'époque de Paranoïa, tout ça, tu sais, ses premiers tubes. Je suis dans ma paranoïa. Et je me disais que ce mec là qui... Pourquoi? Et au final en fait j'ai découvert avec tous les projets qu'il a sortis et tout qu'en fait ce mec est un génie. Et il faut respecter ça. Il faut respecter surtout que le mec, que t'aimes ou que t'aimes pas ses sons. C'est vrai qu'il y a des sons, franchement, je peux pas écouter, j'aime pas. Il y a d'autres sons que je préfère. Bien sûr moi je préfère quand il kick, parce qu'il y a eu des freestyles à Planet Rap sur Skyrock. Il kickait et là on sait que Jules c'est un rappeur quand il veut. Mais il sait très bien aussi que pour vendre et il faut être commercial et voilà. Tu craches pas devant du bif hein frérot. Et c'est vrai qu'il a tendance justement, bah, en parlant du son là qu'on va écouter aujourd'hui. C'est vrai que le mec il aime bien faire pas mal de reprises et tout. Là il s'en est pas caché. Le mec a fait une reprise d'une des musiques des années 80, l'un des tubes en France, donc qui était Nuit de folie, hein, si je me rappelle bien. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Et du coup, bah voilà, il a repris ce son et qui s'appelle Folie. Le son est sorti là il y a à peine 2 jours, et là il vient d'atteindre le 2,5 millions de vues. Ouais, c'est numéro 1 des tendances. Je me suis dit, est-ce que le mec a quelque chose encore à prouver? Et puis après, il n'y a pas que les vues. Moi, je regarde aussi les likes quand même. Bon, même s'il a une bonne team. Le mec est chaud, frérot. Le mec est chaud. 115 000 likes, 5 310 likes. Franchement, c'est que du positif. Le mec, il sort 2 albums par an à chaque fois. Le mec, il s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, c'est respect. Après, j'ai pas encore écouté le son. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur Twitter. Même, il y a eu quelques émissions, tout ça, de télé, tout ça. J'ai vu sur Facebook et tout qui en parlait. Et j'ai pas voulu écouter. Je me suis dit, je veux vraiment faire une vidéo réaction. Et je vais vraiment réagir. S'il y a des trucs drôles, j'hésiterai pas comme d'hab. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, j'hésiterai pas comme d'hab. Donc, tu connais. Allez. Je ne sais pas si c'est le clip qui fait ça, mais Jules a maigri. Je peux pas critiquer le son, le clip, quand tu vois que déjà ma tête, elle géboue toute seule comme ça. En tout cas, je kiffe le délire du clip, hein. On se croirait un peu dans un jeu, tu vois. Alors frérot, moi je suis désolé, hein. Il m'arrive un truc comme ça en voiture, j'en ai rien à foutre de leur chorégraphie, hein, je fonce dans le tas. T'imagines frère, t'as un entretien ou un truc comme ça? Chiquita ou pas Chiquita frère, on n'a pas le time hein. Il m'a eu. En plus il y a des chorés tout ça hein. Ah ça va être le tube de l'été les gars. Ah les gars vous allez être sûrs hein. Soirée, boîte de nuit, boîte de chicha. Ça y est hein. Ça va être du Jules encore hein. Ah là il a débloqué tous les succès hein. Thank you.
Ah ouais, putain, j'adore le concept. Par contre, la Peku, frérot, il faut qu'on en parle. Frérot, est-ce que je suis étonné? Non. Mais voilà, les gars, comme je vous ai dit, Jules, c'est... Il a tout compris. Il a tout compris, le mec. Il sait que ça va marcher. Il sait que ça va vendre. Il sait que... Il sait déjà tout. Donc après, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont critiquer, vont dire... Oh, du... Un Jules et... Alors que eux-mêmes ils écoutent du Jules, tu vois ce que je veux dire? Moi à l'époque j'étais pareil, j'écoutais vraiment pas Jules, mais je me suis dit, c'est vrai que je fais que de le critiquer, je l'ai jugé que sur un son. Au final le mec, il y a des sons, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, que je kiffe, il y en a bien sûr moins. Mais ça, celui-là, je l'ai écouté là, je l'ai écouté qu'une fois. Je me dis ouais, il m'ambiance. Je sais que je vais l'écouter 10 fois, je vais m'ambiancer de ouf dessus. Et ce mec-là, à l'année, il fait 5-6 tubes. Et tu vas dans n'importe quelle soirée, n'importe quelle boîte de nuit, t'es obligé d'écouter au moins 3 sons de Jules différents, tu vois. Et plus, sans compter aussi ses feats. Il fait plein de feats aussi avec d'autres artistes. Et le mec, à chaque fois, dans n'importe quel feat, il fait un tube. Donc voilà, il faut respecter ça. Moi, personnellement, voilà, j'ai validé aussi, même le clip, hein, pour parler du clip, j'aime bien le délire et tout. Un peu, genre, on est vraiment dans le virtuel, où tu sais, où t'incarnes en fait Jules, de ce que j'ai compris, hein, c'est un peu ça le délire. On voit le gosse, du coup, à la fin, avec le casque. Franchement, j'ai bien aimé, en plus, à mon avis, hein, ça fait un bon placement de produit. Donc franchement, très très bon concept, j'ai kiffé le délire. Et voilà, bah, il m'arrive de pas trop tailler les artistes, hein. Bon, après, c'est vrai que... On va pas comparer Weshden et Jules. Mais pourquoi pas, dans le futur, il y aura peut-être un feat, hein, on sait jamais. Hein. Bref, les gars, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre à travers les réseaux sociaux. Et aussi, ouais, viens me rejoindre aussi sur ma chaîne HPP Music, frérot. Là, il y a un clip là qui va sortir, là, qui est même déjà sorti. Donc, n'hésite pas aussi à venir me critiquer, hein, dans les commentaires, tout ça. Et à lâcher ton petit like, enfin, voilà, tu fais ta vie. Tout est dans la description, les frérots. Je vous attends nombreux et nombreuses. Bref, les gars, c'était Hakim Pas Possible. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne bah, HPP, quoi. Hakim Pas Possible, enfin, voilà. On est ensemble. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bille. HPP tu connais, par ici la monnaie, il faut les étonner, je viens les sonner. HPP tu connais, par ici la monnaie.